Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est encore votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission d'enseignement et d'édification. Nous allons parler ce soir, ce midi, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur la libération de familles vendues. Il y a beaucoup de familles qui sont vendues, d'autres familles qui même sont sacrifiées. La Bible dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Lisons Nahum chapitre 3, le 4e verset. La Bible dit ceci, « C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. » On peut vendre des gens par les enchantements, par la sorcellerie. C'est cela dont la plupart des gens sont victimes. Beaucoup d'entre nous sont ici des familles qui ont été sacrifiées, vendues au diable. Mais ils ne savent pas. La Bible dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Ici, on dit qu'ils vendaient les nations par sa prostitution et les enchantements. La prostitution spirituelle, c'est le fait d'abandonner Dieu et d'adorer ou de chercher des secours auprès des faux dieux. Les enchantements, c'est la sorcellerie. Beaucoup de familles sont vendues à cause de la sorcellerie. Le pouvoir de la sorcellerie, voilà ce qui a retardé, causé la pauvreté dans beaucoup de nations et même dans des familles africaines. Beaucoup nous sommes ici des familles vendues, sacrifiées, mais nous ne le savons pas. Vendre veut dire quoi? Ça veut dire céder une partie de ses biens, de richesses, quelque chose de valeureux, contre une partie de quelque chose. C'est échanger. Beaucoup, vous êtes négro, mais on a vendu votre étoile, on a échangé cela. Là où il y a la vente, il y a l'échange. Quand on échange, quand on vend, vous restez avec rien. J'ai partagé avec un frère qui est parti à l'extérieur du pays. Et rien n'est marché dans sa vie. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a commencé à comprendre dans sa famille qu'il y avait leur oncle qui avait beaucoup d'argent. Et personne dans la famille n'était aussi riche que lui. Tous dans la pauvreté, seul lui a émergé, seul lui a réussi. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que son oncle avait vendu toute la richesse de la famille à son profit. C'était cet oncle-là qui avait payé les études. C'était cet oncle-là qui l'a fait voyager à l'extérieur du pays. Et lui, il ne savait pas qu'il est parti là avec rien, parce qu'on avait vendu. Mais quand on vend, vous restez avec rien. Vous pouvez voyager, vous pouvez être là, mais on a déjà vendu, donc vous êtes resté vide, il n'y a rien. Ses frères pouvaient tomber sur des opportunités qui pouvaient rapporter des millions de dollars. Mais ils n'arrivaient pas à saisir cela. Je ne sais pas ta situation. Peut-être que tu es issu d'une famille où on a vendu le mariage. Vous êtes des belles femmes, mais aucune n'arrive à se marier. Peut-être que vous êtes issu d'une famille où on a vendu la longévité. Il y a toujours les morts prématurés dans la famille. Peut-être tu es là. Tu es issu d'une famille où on a vendu les bonnes choses. Ce sont les mauvaises choses qui sont restées. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Quels sont les signes qui permettent de dire qu'une famille ou une nation est vendue? Bien aimé, il y a le commerce des familles et des nations. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui peuvent nous révéler que cette famille est vendue. Dans cette famille, il y a un « ça ne va pas ». Bien aimé, quand on vend les bonnes choses dans la famille, les gens n'auront rien à montrer. Tout est parti, tout est déjà échangé.
Il y a des gens qui ont déjà tout consommé. Tu ne vas pas payer les pots cassés au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne vas pas payer les pots cassés au nom de Jésus. Premier signe des familles vendues par l'effort de la sorcellerie, c'est les morts mystérieuses ou est prématurée. Quand vous avez dans la famille la mort des enfants, des disparitions par noyade, par accident, sachez que votre famille a été vendue. Beaucoup sont là. Vous venez des familles où les gens meurent mystiquement. Ce n'est pas en vain, c'est parce qu'on a vendu quelque chose. Bien aimé, les diables ne donnent rien pour rien. S'ils veulent donner quelque chose, il faut qu'il y ait échange. J'ai dans mon église le cas d'un frère. Il a perdu, ils étaient au nombre de 11 dans la famille. Ils sont restés, au jour où je vous parle, seulement à 3. Il y a eu beaucoup de décès dans la famille. Et la personne qui était à la base de ces décès-là, c'était leur père. Il était dans la sorcellerie. Et tous les enfants, il les a sacrifiés. Tous les enfants qu'il aidait, qui lui donnaient beaucoup d'argent, il les a tous sacrifiés. C'est grâce au Seigneur que notre frère a pu échapper à la mort prématurée. Les papas ont vécu longtemps, 90 ans, mais les enfants mouraient toujours 45 ans, 50 ans, ils décèdent. Quand vous avez dans la famille des histoires de morts prématurées, des morts mystiques, sachez que votre famille est vendue au diable. Même dans un pays, quand vous voyez dans un pays, vous regardez, il y a toujours le sang qui continue à couler. Sachez que ce pays-là est vendu par les forces de la sorcellerie. Je parle de mon pays, la RDC. Depuis 60, jusqu'à ce jour, le sang continue à couler. Et ça, c'est un signe qui montre que ce pays est vendu au diable. Chaque jour qui se passe, il y a toujours des guerres à l'est, dans d'autres parties. Et il y a toujours des meurtres. Depuis 60 jusqu'à ces jours, c'est le signe que quand il y a le sang qui continue à couler dans la famille, c'est le signe que la famille est vendue par les forces, le pays est vendu par l'effort de la sorcellerie. Deuxième signe, c'est quand dans la famille, il y a des problèmes de mariage. Les gens ne se marient pas ou les gens n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'on a vendu le mariage. Il y a des familles où on a sacrifié les mariages. Et vous verrez, personne dans la famille ne peut se marier. Les gens ont des relations, mais ils n'arrivent pas à aller au mariage parce que le mariage n'est pas là. Mais quand on voit quelque chose, ça veut dire que quelque chose n'est pas là. J'ai reçu le cas d'une sœur qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, nous sommes six belles filles. Nous avons étudié, nous sommes des diplômés universitaires. Mais aucune d'entre nous n'arrive à se marier. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons vu que leur maman avait vendu le mariage de leur fille. Il y a des familles comme ça, où on a vendu le mariage. J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus. Je ne sais pas ta famille, mais je sais une chose. Ce n'est pas en vain que tu écoutes ces messages. Dieu veut libérer votre famille des ventes spirituelles. Bien aimé, les ventes spirituelles existent. On peut vendre quelque chose la nuit. On trafique, on vend. On fait le commerce en retour de quelque chose. Il y a certains parents, grands-parents, qui ont accepté des présents venant de l'ennemi en échange du mariage de leurs enfants, de leurs filles, de leurs fils. Et vous verrez, le fils n'arrive pas à se marier. Celui qui va atteindre le mariage, il est toujours combattu et ça se solde en échec. Vous avez des cas de mauvais partenaires, des cas de divorce à répétition dans la famille. Cela veut dire que le mariage est vendu.
Troisième signe qui montre que la famille est vendue dans le monde des ténèbres, c'est quand il y a les problèmes de pauvreté dans la famille. Les gens ne prospèrent pas. Il n'y a aucune personne dans la famille qui a réussi. Il y a échec, chômage, blocage divers. Quand vous remarquez ces choses dans la famille, sachez que la famille est vendue dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que dans le monde, on a vendu la richesse de la famille. La famille est restée vide. J'ai reçu les cadeaux d'une famille, ils sont des héritiers. C'est seulement les parents qui ont réussi. Les enfants qui viennent ne font rien. Si ce n'est vendre, consommer l'héritage. Et ils ont tout terminé l'héritage. Et personne n'arrive à réussir. Quand l'un d'eux est venu nous voir, nous avons vu que leurs parents, papa avait vendu leurs richesses. Il avait profité de leurs richesses. Et eux, ils sont restés vides. Je parle à toi, ma soeur. Tu subis le même sort que tes frères et soeurs. Tu cherches, tu te bats. Mais il n'y a pas la réussite, il n'y a pas la prospérité. C'est parce qu'on a vendu cela. Le temps est arrivé dans la prière. Nous devons annuler les ventes et récupérer notre richesse au nom de Jésus-Christ. Il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Mais quand on vend la richesse, il nous serait impossible d'entrer dans la prospérité. C'est pourquoi beaucoup de fois, vous ne comprenez pas, vous donnez la dîme. Vous priez, vous jeûnez, mais vous n'arrivez pas à prospérer. C'est parce qu'on a vendu la richesse. Le temps est arrivé où nous devons récupérer notre richesse au nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé où nous devons annuler les ventes spirituelles et récupérer nos biens au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on vend votre richesse, ça veut dire que tout ce que vous pouvez avoir, ce n'est plus à vous. Ça appartient au diable. Ça veut dire que vous travaillez pour lui. C'est pourquoi beaucoup vous ne comprenez pas. À la veille, on vient tout vous arracher. Vous accumulez et vous perdez tout. Quelque part, il y a un « ça ne va pas ». J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, votre délivrance, celle de votre famille, est possible. Toi qui es touché, tu vis dans une famille où il n'y a pas de prospérité, dans une famille où les gens sont condamnés à la pauvreté. Contacte-nous par les numéros qui sont au bas de votre écran. Nous allons t'aider. Te conduire dans le processus de la délivrance. Quand la richesse d'une famille est vendue, cela veut dire que cette richesse est transférée. Et rien n'est resté à ceux qui sont vivants. Quatrième signe des familles vendues par le diable, par les forces de la sorcellerie, c'est des maladies mystérieuses. Bien aimé, la santé est une richesse. Dans le monde des ténèbres, on peut vendre la santé, sa santé ou la santé des membres de sa famille. Vous verrez dans des familles, les gens souffrent des maladies bizarres. Des gens souffrent des infections qui ne se terminent pas, des maladies des familles, des problèmes mentaux. On a vendu la bonne santé. J'étais en train de parler avec une personne qui m'a dit à propos d'une de ses connaissances, il dit que chaque fois la personne est enceinte, dès qu'il met au monde, il devient fou. La personne n'a jamais suivi une bonne santé. Mariée, mais quand elle met au monde, elle doit toujours attraper la folie. Pourquoi cela? Parce qu'on a vendu la santé. Bien aimé, la santé est une richesse. Dans le monde spirituel, on peut vendre la santé. Vous verrez toujours des maladies qui vous consomment tout l'héritage, toute la richesse. Parce qu'on a vendu la santé. J'ai reçu ici le cas d'une sœur qui est venue nous voir pour la délivrance. Et quand il est venu, l'esprit de son père a commencé à parler en elle. Et nous avons chassé les mauvais esprits. Et quand je lui ai demandé, quelle est la vie de votre père, il dit, notre père avait beaucoup d'argent. Et tout a coulé, devenu pauvre et malade. Pasteur, nous avons tout dépensé. Sa maladie nous a appauvris. Je lui ai dit, votre père a vendu, il sait ce qu'il a fait. Il avait vendu déjà sa santé. Ne vous tracassez plus. Bien aimé, il y a des cas comme ça. La personne peut vendre sa santé. Ou on peut même vendre la santé de la famille. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. J'ai dit que je vois Dieu te délivrer des ventes spirituelles au nom de Jésus. Je ne sais pas quel aspect a été vendu dans votre famille.
pour vous retrouver avec rien. Mais laisse-moi te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Que faire? Comment se libérer de vente spirituelle? Première chose, tu dois reconnaître que seul Jésus peut nous libérer et nous racheter. Bien-aimés, si vous avez été vendu, il y a quelqu'un qui peut vous racheter, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, il nous a rachetés par son sang. Jésus a versé son sang pour nous racheter, pour nous libérer. Nous étions vendus. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous racheter. C'est-à-dire, il nous a acheté de nouveau. Tu dois reconnaître cela. Que seul Jésus peut me libérer. Je ne sais pas quel aspect on a sacrifié, quel aspect on a vendu. Mais Jésus-Christ est venu, il a versé son sang pour payer le prix, pour nous acheter de nouveau, pour acheter de nouveau nos santé, nos mariages, nos richesses, notre longue vie, et nous libérer. Seul Jésus est capable de te libérer. Deuxième chose, tu dois entrer dans le combat spirituel. Tu dois annuler les ventes spirituelles en déclarant ces ventes illégales. Bien-aimé, on peut annuler l'acte de vente. Quand les gens contestent et qu'on voit que cette vente est illégale, comment une personne peut vendre la richesse de toute une famille et la personne déjà décédée et vous continuez à payer les pots cassés? Le temps est arrivé, il faut dénoncer ces choses-là et annuler ces ventes-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on peut annuler une vente. Ce qui est vrai dans le naturel est aussi vrai dans le spirituel. Vous devez aller dans le tribunal de Dieu avec le sang de Jésus-Christ, annuler les ventes. On a vendu la santé, on a vendu le mariage, on a vendu la richesse de la famille. Le temps d'arriver où tu dois t'élever avec l'autorité qui te donne la parole de Dieu. Annuler ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule cette vente-là de l'héritage de la longue vie au nom de Jésus. J'annule la vente du mariage de la famille au nom de Jésus. Troisième chose, tu dois lier et détruire les activités de la sorcellerie en chassant les mauvais esprits. Quand il y a les ventes, c'est les activités de la sorcellerie. Tu dois combattre dans la prière. Je lis et je détruis les activités de la sorcellerie au nom de Jésus. Cette sorcellerie qui constitue à vendre nos étoiles, je brise, j'annule cela au nom puissant de Christ. Tu combats dans la prière, tu lis, tu détruis les activités de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, tu dois récupérer votre héritage. Tu dois récupérer les bénédictions de la famille qui ont été sacrifiées et vendues. Après avoir annulé, après avoir détruit, brisé, maintenant tu dois commencer à récupérer. Je récupère la bonne santé. C'est mon héritage parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je récupère le mariage. C'est mon héritage. C'est mon droit en Christ Jésus. Il m'a racheté de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Il m'a racheté, il m'a libéré de malédiction. Il m'a libéré des ventes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui est à moi qui a été vendu par un membre de ma famille. Je récupère cela. Je récupère cela au nom de Jésus. Cinquième chose, tu dois proclamer les bénédictions de l'Éternel sur votre famille et sur votre nation. Tu déclares maintenant les bonnes choses. Il y aura les mariages dans ma famille. Il y aura la richesse dans ma famille. Il y aura l'élévation. Il y aura la promotion dans ma famille au nom de Jésus. J'annule la vente des mariages. Les gens vont commencer à se marier au nom de Jésus. J'ai béni les membres de ma famille. Ils vont prospérer. Ils vont réussir dans leurs affaires au nom de Jésus-Christ. Tu proclames les bonnes choses sur votre famille, sur votre nation, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui as été touché, toi qui as été béni par ces messages. Seigneur, j'amène ton peuple. Beaucoup nous sommes issus des familles qui ont été sacrifiées, vendues au diable, papa. Je viens maintenant implorer ta grâce et ta miséricorde dans nos familles. À cause de la sorcellerie, nos parents, nos ancêtres, nos oncles,
Nos frères et sœurs nous ont vendus, Seigneur. Nous venons auprès de toi à cause du sang de Jésus-Christ, parce que nous croyons en toi. Le sang qui a été versé pour nous racheter. Nous déclarons ces ventes illégales au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons l'acte de vente. Nous le brûlons par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toute vente spirituelle dont nous sommes victimes, nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela au nom de Jésus. Nous récupérons ce qui est à nous. Nous récupérons le mariage. Nous récupérons la bonne santé. Nous récupérons nos richesses au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons aux mauvais esprits des sorcelleries de libérer nos vies, de libérer nos familles au nom puissant de Christ. Je t'ai béni, j'ai béni ta famille au nom de Jésus. Il y aura le mariage dans ta famille. Les gens vivront longtemps dans ta famille au nom de Jésus. J'arrête la mort des enfants dans la famille au nom puissant de Christ. Je déclare que tu entreras dans les sépulcres dans la vieillesse. Tu prospéreras, tu toucheras l'argent qu'aucun membre de ta famille n'a touché au nom de Jésus. Par toi, ta famille sera délivrée, ta famille sera sauvée au nom de Jésus. Fini les activités de la sorcellerie, de vente dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. N'oubliez pas de commenter nos vidéos par des petits commentaires. Amen, c'est édifiant. Pasteur, que Dieu te bénisse. N'oubliez pas de partager nos vidéos et surtout à vous abonner massivement sur notre chaîne pour continuer encore à suivre nos émissions. Que Dieu vous bénisse, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Restez bénis, à la prochaine sur la même chaîne. Shalom.